étranger. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans la miniature, j'ai une pizza. Une pizza surgelée. J'ai une pizza surgelée. Voilà, ça fait toujours plaisir, une petite pizza pure surgelée pour le 16h. Non, évidemment, c'est mon, on va dire, repas de la journée. Bon, voilà, c'est pas ouf, mais j'ai pris d'autres trucs à côté. Mais ça reste quand même bon. Et je voulais également vous présenter. Alors, attendez. Je voulais également vous présenter dans cette vidéo mes nouveaux couverts que j'ai achetés. Je me suis acheté ce couteau japonais. Il est super beau. Un très beau couteau japonais. Je sais pas, vous en pensez quoi? Moi j'aime beaucoup, ça coûte assez cher par contre, ça coûte 45 euros le couteau. Mais voilà, moi je kiffe donc voilà. Je pourrais vous mettre le lien en description si vous voulez. Et je me suis acheté également une fourchette. Une fourchette à deux dents que je trouve aussi très belle, c'est celle-ci. Voilà. Pour prendre encore plus de plaisir quand je mange. Donc évidemment, on va manger la pizza avec des couverts, bien sûr. C'est une pizza surgelée, hein, les gars. Vous savez ce que c'est, mais ça passe toujours bien. On a du pain, du faux fromage. Quoi demander de mieux? Ce bon arrière-goût industriel. Bon, évidemment, c'est pas une pizza. Parce que je sais, il y en a beaucoup qui ont arrêté de consommer ce style de produit. Ah oui, tiens, je fais ça, ça me permet de rebondir sur un truc en mangeant. Parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo dégustation Kinder, on m'a dit. Si vous arrêtez de manger toute une catégorie de produits, dès lors qu'il y a un scandale dans ces derniers, vous n'allez plus jamais dans un supermarché et vous faites votre propre ferme autonome. Il y en a qui le font, pourquoi pas. Mais dès lors que vous allez dans des supermarchés, vous consommez forcément des produits autour desquels il y a pu avoir un scandale. Donc l'essentiel, c'est de faire attention globalement en fonction de votre état de santé, ok, et des risques que vous êtes prêt à prendre, évidemment. Moi, encore une fois, je ne bois pas, je ne fume pas, je fais beaucoup de sport, j'essaie d'avoir une bonne hygiène de vie. Voilà, bon, il m'arrive de manger des produits, on va dire, industriels, tout ça. Voilà, j'ai envie de dire, chacun fait son bon compromis, tu vois. Ils sont pas trop beaux en vrai, mais
aussi, hein, bien sûr, mais ça, c'est mes couverts à moi seul, tu vois. Je vous les mettrai en description si jamais vous voulez les acheter. Je vous mettrai des liens Amazon qui sont des liens à d'affiliation, c'est-à-dire que si certains parmi vous achètent des couteaux et des fourchettes comme ça en passant par mes liens, ben moi derrière je vais toucher une commission. Et vous, le prix, évidemment, il n'est pas plus cher, hein, heureusement. Donc si jamais vous voulez, bah, n'hésitez pas. Après, c'est un petit peu cher, donc je comprends si vous voulez pas aussi, tu vois. C'est la seule chose.
J'essaierai de faire ça, je pense. Sur Insta. Bisous, ciao.